En Ukraine, le président Petro Poroshenko, cité dans les Panama Papers, tente de se dédouaner. Sans nier l'existence de comptes aux îles Vierges britanniques, il assure respecter la loi à la lettre. Ces révélations sont particulièrement embarrassantes car il avait promis de vendre ses actifs lors de son élection en mai 2014 et de lutter contre la corruption. Il pourrait avoir violé la loi en créant une société alors qu'il occupait les fonctions de président, puis en n'ayant pas déclaré l'existence de cette société. Le parquet général déclare, lui, ne pas voir de délit. Mais des députés ukrainiens veulent lancer une procédure de destitution à son encontre. Une telle initiative reste néanmoins très difficile à mettre en œuvre en Ukraine.